Et en Égypte, maintenant, le pays est encore sous le choc après l'assassinat le week-end dernier du général Adel Rakaï dans la banlieue Tobour au Caire. Il a été abattu samedi par deux assaillants à moto. Son chauffeur, a également été tué dans l'attentat. Adel Ragaï n'était pas un personnage public, mais il était pourtant un militaire de premier plan. Le général, auparavant engagé avec les forces combattant les militants armés dans le nord du Sinaï, il est également connu pour sa proximité avec les habitants de Rafah et de Sheikh Zoued, ville où l'armée tente actuellement de reprendre le contrôle. À l'annonce de sa mort, le président égyptien a rendu public une déclaration appelant à l'intensification des mesures de sécurité dans les institutions gouvernementales et les zones vitales et stratégiques. Les experts estiment que l'assassinat de samedi indique que les éléments terroristes ont effectué un changement de tactique. C'est un changement majeur, car c'est la première fois qu'ils assassinent un officier important à l'intérieur même du Grand Caire, et l'assassinat a eu lieu à son domicile, pas à son travail. L'attaque a été revendiquée par un groupe inconnu affilié aux Frères musulmans, un mouvement aujourd'hui interdit. Depuis 3 ans, l'armée et la police ont réussi à affaiblir les énormes moyens militaires et financiers des groupes terroristes dans le Sinaï Nord. D'après les experts, cela a provoqué le démantèlement des milices en groupes plus réduits, des groupes plus faibles qui fonctionnent de façon individuelle, et de préciser que ces groupes veulent laisser leur marque. Ils ont réussi à atteindre leur cible principale, celle qui consiste à envoyer le message selon lequel l'armée n'a pas réussi à protéger ses propres dirigeants et pour les citoyens de sentir le terrorisme se rapprocher d'eux. Nous pouvons faire le lien avec la tentative d'assassinat récente du procureur général dans l'est du Caire. Cela accroît le nombre de cibles potentielles des terroristes et impose une nouvelle pression sur les efforts déployés par les forces de sécurité. Les tentatives d'assassinat visent à affaiblir le moral de l'armée et de la population dans la guerre contre le terrorisme. Toutefois, le président affirme que les opérations ne cesseront pas avant l'élimination de tous les terroristes du pays.